Salut tout le monde, c'est Jayden, comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Last of Us. Alors la dernière fois, un ascenseur nous avait fait séparer d'Ellie, ce qui fait qu'Ellie est en haut alors que moi je suis en bas. Et quelque chose me Merde. dit que je vais affronter des claqueurs ou quelque chose comme ça. J'ai peur. Quelque chose me dit que l'eau, ça va pas m'arranger dans mes affaires. Donc là, oui, j'ai mis mon masque, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a des spores. Les spores, je ne dois pas les respirer, sinon je me transforme en claqueur. Et je ne veux pas savoir si ça fait mal ou quoi. J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs. Ah, compliqué, compliqué la vie, hein. Mais quelque chose me dit, ouais, qu'il y a des claqueurs. Pas loin. Putain, mais chaque bruit que j'entends, ça me stresse. Ce jeu, c'est incroyable. Toi, t'es vivant. Regardez-moi cette horreur, c'est dégueulasse. Même incroyable, hein. Moi, du moment qu'il n'y a pas de gros que j'affronte tout seul, ça devrait aller. Surtout que le gros, lui, par contre, il n'est pas aveugle. Petite laverie. Pas du tout rassurant. Au secours! Putain, c'est stressant, ça fait peur, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Oh putain, non, regardez-moi ça là! Non, 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 là je suis vraiment pas à l'aise là. Putain, non, la porte est fermée. Non. Non, faut que je trouve une carte magnétique, je sais même pas où chercher. Oh putain de ta mère, c'est pas vrai. Ils sont aveugles, eux. Je crois qu'ils le sont. Je fais quoi? Je fais quoi? Je stresse, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Non, j'aime pas faire ça, mais. Je crois que j'ai pas le choix, je dois descendre. J'ai pas envie, mais j'ai pas le choix. Putain, c'est horrible. C'est horrible, ça stresse, c'est ignoble. Non, 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 pas le coup de la lampe qui s'arrête, hein. Non, non, non. Ah non, c'est pas des zombies. Je crois que c'est des coureurs, ceux-là. Ah, c'est pas les mêmes, c'est pour ça. Il reste en haut, lui. Lui, il y en a un qui est descendu. Bon, les coureurs, ça va. Voilà. Bon, maintenant, faut que je trouve cette carte magnétique.
Des balles. Je suis sûr que c'est un corps qu'il a ou quelque chose. Je suis sûr que c'est un des corps qu'il a. Ah, c'est peut-être ça? Bah non, ça c'est la bouteille. Non, c'est juste des champignons. Je suis sûr que c'est en bas la carte. Je suis sûr qu'elle est en bas. Ok. Yes, je l'ai. Bah dis donc, c'est moins stressant que dans mon souvenir. Mais je crois pas que c'était là, hein. Je crois que c'était un autre passage, moi, qui m'avait stressé. Encore plus. Quoi, c'est pas ça? Non, tu te fous de ma gueule, c'est pas la bonne carte! Putain, c'est pas la bonne carte. Bon bah, rebelote, hein. Ah, bah voilà, je me disais aussi, mais pourquoi ça marche pas? Bah parce qu'il faut que je produise de l'électricité. Et au générateur, là. C'est pour ça. Bon, excusez-moi, je suis un peu débile, heureusement que le jeu m'aide. Voilà. Oh non. Non, il y a un gros en plus. Putain, il y a un gros, il faut que je me tire. Vite. Non, il est là! Vite! Barre-toi! Putain! Il est pas là! Il est pas là! Il est pas là! Il est pas là! Je me demande où il est. Franchement, je sais pas et je veux pas savoir. Ouvre la porte! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Laisse-moi partir! Laisse-moi partir, je t'en prie! Ah, je me retape pas ce gros-là, hein. Non, c'est mort. C'était pas si dur. Ouais, bah là, désolé, hein. D'habitude, je ne suis pas en mode fuite, mais là, non, je voulais pas encore repérer toutes mes mûnes contre lui. Ah, d'ailleurs, je rechange d'arme. Regardez-moi ça, là. C'est drôle quoi, il y a des trucs je suis plein, il y a d'autres trucs je suis pas plein. Ça se demandait qu'est-ce que je fais. Oh, un établi, chouette. On se met au travail. Ouais, on va voir si on peut améliorer 2-3 trucs. Bon, ça encore, non. Voilà. L'arc, je vais améliorer la vitesse de tir. Toi, j'améliore la lunette. Et toi, j'améliore la vitesse de rechargement. Attends, il y a l'étui. Voilà, je pense que ça devrait aller. Oh. Ah, j'aime pas fuir les gros, hein. J'aime bien. Je préfère affronter les ennemis. Mais là, vous avez vu la taille, hein. J'y serais allé, je me serais fait mais démonter. Ah, j'aime bien affronter des zombies, mais là, non. Vous pouvez dire que c'est de la lâcheté si vous voulez. Logiquement, pour moi, c'est pas de la lâcheté. Mais bon. Chacun a sa façon de voir les choses aussi, hein. Putain de merde. Putain de merde. Ah, ils se sont occupés du zombie.
Pas aujourd'hui. Ok. On se sépare. Et on s'assure d'avoir loupé aucun de ces enfoirés. Mais non, viens pas vers moi, toi! Non, c'est bon. Voilà. Allez. Oh, pauvre claqueur. Qu'est-ce que je dis, moi, pauvre claqueur? Bien fait pour ta gueule! Ça t'apprendra à toujours vouloir me tuer. Mais fais pas de bruit, Jean-Pierre, enfin. Quelqu'un? Non, c'est bon. Ellie ne doit pas être loin, à mon avis. T'as entendu ça? Ouais. Qu'est-ce que c'était? Il a pas entendu, mais dis donc. Ça veut dire qu'il y en a plus. Ah, je suis fier de moi, là. J'ai réussi une phase discrétion sans erreur. Alors là, il me faudrait une échelle pour monter là-haut. Merci pour les pièces. Faut que je trouve une échelle. Oh, c'est un restaurant, regardez, il y a les plats. Plat japonais. Pardon. Je ne suis pas Homer Simpson. Ah non, il y a un truc là. Ah, elle était juste là. D'accord. Ah là, je suis content pour l'instant. Je ne fais pas de conneries. On monte tranquillement. Aïe! Ah non! Je me dois au secours! Tiens! Loupé ce type, hein? Non. Non, tu m'étonnes. Je vais vomir. Pourquoi t'es pas resté en retrait comme je te l'avais dit? T'es content que je l'ai pas fait, non? Je suis content de pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine. Tu sais quoi? Non. Je m'attendais à... Hé, Ellie, je sais que c'était pas facile, mais c'était lui ou moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu crois que tu pourrais me dire ça, Joël? Non, il est sans cœur. Il faut pas qu'on reste là. C'est toi le chef. Ah, Ellie, il a suivi du temps. Il n'arrive pas encore à s'ouvrir après ce qu'il a vécu avec sa fille. Ah, n'empêche, Ellie, tu m'as impressionné. Bravo. Ah, ça devait être la salle de... C'est peut-être pour Macron, ici, avec le micro. Chère Française, cher Français, bonjour. Non, je sais pas.
Et non, c'est pas une critique contre Macron, hein, c'est juste, voilà, il y a un auditoire, je me suis dit, peut-être que... Rien de plus. Ne vous dites pas tout de suite, je suis de droite ou je suis de gauche. De Jane Brick. Je suis centriste. On doit retourner dehors. Faut trouver ce pont. J'ai horreur de ça. Pourquoi j'ai l'impression que je vais recroiser des ennemis? Je suis full chargé en mune de... Quoi, j'ai le droit qu'à 7 balles? Mais dis donc, c'est pas beaucoup, hein. Enfin, on fera avec. Viens, Ellie. Dure un coup de plus, chouette. On peut peut-être se servir de ça. Allez. Merde, c'est plus lourd que ce que je croyais. Tu peux m'aider? T'es sûr que tu peux compter sur moi? Ellie. Allez, on pousse. Pousse. C'est ce que je fais. Pousse plus fort. Bien joué. Ça te va? On y va. Putain, Joël, j'avoue, dis-lui un merci, quelque chose. Ça va pas t'arracher la langue de dire merci. Surtout qu'elle s'est vraiment débrouillée très très bien, quoi. Je sais que t'as du mal à t'ouvrir aux autres depuis la mort de ta fille, mais quand même. J'avais envie de la lancer. Je sais pas pourquoi. J'arrive, Ellie. Bon, je pense qu'elle va atteindre le haut, étant donné qu'elle en est capable. Je vais faire le grand tour. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché de l'autre côté. C'est quoi ça? Ah, qu'est-ce que je disais? Et on refait une bombe à clous. Ah mince, c'est pour les surins, d'accord. Ouais, ça devait être un truc du genre bonne année 2013 ou quelque chose comme ça. Vu que c'était l'année officielle de la sortie du jeu. Y'a rien. Je pense qu'on peut sortir. Par ici. Aller en bas et je vais nous dégager la voie. Et moi alors? Tu restes ici. C'est vraiment stupide. On aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. C'est le cas. Bon, t'as l'air de savoir te servir d'une arme. Tu crois pouvoir utiliser ça? Ben... j'ai déjà un peu tiré au fusil. Mais sur des rats. Des rats? Avec des billes. Ça fera l'affaire. Bon, c'est presque le même concept. Soulève-le. Écoute-moi, tu vas devoir t'appuyer contre la crosse, parce que le recul est bien plus puissant que sur un fusil à billes. Ok. Fais reculer le levier. Soulève-le, enclenche-le, voilà. Dès que t'auras tiré, tu vas devoir recharger immédiatement. Écoute bien. Si tu vois que ça chauffe pour moi, tu ne gaspilles aucune de tes balles, ok? J'ai compris. Parfait. Et pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, c'était vraiment lui ou moi. Et parti. Y a pas de quoi. Ah, il commence à devenir aimable avec Ellie, hein. Ça commence la bien. A vraiment merdé.
Sans être sûr que tu peux t'en tirer, pas vrai? Ça passe, j'aurais... Alors moi je vais prendre l'arc. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Calme-toi. Qui est mort? Toute l'équipe. Les 76 vigies. Un putain d'intrus les a tués. Il les a tous tués. Merde. T'as prévenu le boss? Ouais. Il veut tout le monde à son poste. Faut surveiller le pont. Ok, c'est pas compliqué. On fouille la zone, on laisse passer personne. Je m'en suis pas fait 76, hein. Oh oh. Il doit sûrement se tromper. À propos des autres? Je vois mal comment des intrus auraient éliminé toute l'équipe. Si c'était vrai. C'était quoi, putain? Ouais, qu'est-ce que c'était? Mince, j'ai raté mon tir. Faut espérer qu'ils détruisent pas les flèches. Y'en a qui m'a vu ou quoi? Ah oui. Ouais. Ouais, continue comme ça. Mince, ils m'ont vu. Enfin, il y en a un qui m'a vu, je crois. Putain, il y a un sniper là-haut. Super, ne change rien. Il y a un sniper là-haut, je peux pas me permettre de faire trop de... Toujours aider les pièces. Ils vont tous voir. Ah ouais, ils y vont tous. Oh là là, oh non. Tu veux pas te tourner, toi? Yes. Putain, j'adore l'arc. Ça y est, je commence à prendre mes marques. Viens pas par là, toi, vire. Je les tue petit à petit. Bon, j'ai fait une bavure sur l'infiltration, mais je suis toujours pas mort. Espérant que ça dure. Par contre, j'ai l'impression qu'il me donne pas de mun quand c'est... Bon alors, attends, déjà celui que j'ai tué, parce que j'aimerais bien récupérer ma flèche. Non, bon bah, je suis puni. Ou alors, la flèche est peut-être limitée dans le temps. Voyons. Putain, il y en a deux autres. Oh là là, si j'avais su. Oh non. Là, il va rentrer, lui. Oh merde, merde, merde. Me barre. Pardon. Vite, 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 Joël, barre-toi. Ah.
Aïe aïe aïe, putain, il y a un snipe. Au secours, Ellie! Il m'énerve lui en haut, je peux pas l'atteindre lui. Bon, je leur ai échappé. M'a pas vu. Oh. Allez, faut qu'on le retrouve. Allons voir dans la rue. Vous là, allez voir dehors. Vite, avance. Oh là là. Au secours. J'arrête pas de me faire repérer, c'est chiant. C'est bon, je leur ai échappé. Vas-y, viens. Pas vu. Je suis coincé dans un coin là. Je crois qu'il s'est enfui. Je dis bien, je crois qu'il s'est enfui. Ouais, pas mal. Hop. Ok. Descends. Oui, attends, à cette distance, c'est connu. Ta Ellie, t'as assuré, hein. Vraiment. J'étais comment ? Excellente. Qu'est-ce que tu dirais d'un truc ? Un peu plus à ta taille. C'est juste pour les urgences. Ok. Les urgences, Ellie, attention. Bon, est-ce qu'on va l'atteindre, ce pont ? Là, la sécurité est mise. Tu
sais comment faire pour la retirer? Oui. Bon, il faut... Il faut que tu fasses attention. C'est pas un... Je te fais comment. D'accord. Je regarde quand même au cas où, hein, s'il y a un truc, une porte. Putain, je suis trop content. Pas une mort là pour l'instant. Bon, je me suis fait repérer, mais j'ai réussi à les semer, puis à... Je savais pas moi qu'on pouvait les semer. À l'époque, moi, quand je jouais au jeu, je pensais que c'était brut ou infiltration, vous savez, en mode ouais, bah, tu t'infiltres, mais si tu rates, c'est raté. Et bah finalement... Oh, il y a plein de trucs ici. Oh, en tout cas, on a passé la zone, je suis content. C'est pas la plus dure, mais si je m'améliore comme ça encore, c'est une bonne chose. Ah, il y avait un camp ici. Allez, Ellie, viens. On va continuer notre route. Vas-y, à toi de jouer, Ellie. Ça marche. La foutue chaîne est bloquée. Merde. Attends. Dépêche-toi, je vais pas tenir longtemps. Voilà. Okay. Merci. Bien joué, Ellie. Aide-moi à l'ouvrir. Voilà. C'est bon. Voilà. Ça. Un peu de tissu, un peu d'alcool. On se refabrique un kit de soins, voire peut-être deux. Et c'est reparti. Tu viens, Ellie? Oh, chouette, un établi. Je vais peut-être pouvoir faire ce qu'il me faut. Ok, voyons ce qu'on a. Je peux pas faire grand chose. Surtout que je suis limité en outils. Bah tiens, le recul. Je pouvais faire que ça, alors... Oula! On a encore de la visite. On a de quoi faire, on dirait. Putain. Quelle bande d'enfoirés! Oh merde! Oui. Rien plus faire. Je sais. C'est juste. Oh merde. Il faut qu'on atteigne le pont. Okay. C'est tout ce qu'on peut faire, atteindre le pont pour sauver notre peau. Ellie, moi aussi, ça me fait mal. J'aurais aimé qu'on réussisse à les sauver, mais on peut pas sauver tout le monde. Bon, au moins, ils ont fait tout. J'étais sûr qu'ils avaient réussi à quitter la ville. Ouais, j'ai trouvé les deux du pick-up maintenant. Ouais, j'espère qu'il y avait une putain d'armée dans... Merde, merde! Vite, Ellie, viens. Viens, viens, viens. Pour que tu te fasses pas repérer. Boum! Dans la tête, Jean-Pierre.
Je ne sais pas s'il y en a d'autres, c'est ça qui m'inquiète. Logiquement, oui, il y en a toujours d'autres. Mais est-ce le cas cette fois? Ok, faut qu'on descende. Et on peut pas faire autrement. Viens, Ellie. Oui, j'ai sauté trop. J'aurais dû tomber sur la bouche. Ça va, Ellie? T'as pas fait comme moi, toi t'as pris la chute douce. Ah, ça me dit quelque chose, ce coin. Alors, déjà, je crois qu'il y a des pièges. Comme quoi, Bill n'est pas le seul à avoir mis des pièges dans la ville. Viens d'avoir l'équipe postée à l'est. Ils ont rien vu. Et Market Street, alors? Ouais, ils ratissent la zone en ce moment. Ils sont en hauteur. J'espère vraiment que ces intrus vont contrer. Merde, ils finiront par sortir. Je crois que c'est au jour de chance. Regardez, voyez, là, il y a des pièges. Il y a quelqu'un au-dessus. Je sais pas si... Non, il descend pas. C'était super chaud. Fais pas de bruit, Ellie. Merde. Couche-toi, Ellie. J'ai l'impression qu'il lâche un truc que quand je fais une exécution spéciale. Ouh, il y en a un qui arrive. Ellie, prépare-toi. Oh! Oui, Ellie! Oh, bravo, je suis fier de toi! Oh, Ellie, ouais, bravo, bravo, bravo. Ah, vraiment, bravo. Là, je te dis bravo avec un grand B. Est-ce que tu m'as vu? Oui. T'as été excellente. Ah oui, je crois que je me souviens comment ça va finir. Cette histoire. Enfin, en tout cas, par ici. No hope. Pas d'espoir. Oui, le roi vous invite à la fête. Non, je rigole, ça c'est la version de merde. Si vous voulez la vraie version de Soyez prête, écoutez le film d'animation. Je me disais aussi que j'avais bien entendu. Donc ils m'ont vu. Ils m'ont vu, ils m'ont vu. Mais j'ai plus de flèches. C'est ça qui m'énerve en fait, j'ai juste des balles. Mince, j'ai cru qu'il m'avait vu. Il m'a fait peur avec son mouvement. Je sais que t'es là. Concentré. La discrétion, c'est pas grave, mais au moins essayez de faire attention. Tu sais quoi? Fuck la discrétion. Hé! Oh là 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 là. Remarque,
Ça me donne une idée. Je pense pas que eux ils iront dans le piège parce qu'ils sont intelligents. Quoique. Camoufler. C'est ça, ils savent où sont leurs bombes, ils prendront pas le risque. C'est bien ce qu'il me semblait. Excusez-moi, monsieur. Cache-toi, Ellie. Pas vu, ben dis non, il est pas très malin. Reste pas là, Ellie, reste pas là. Putain de merde. Oh. Ah. Ok, d'accord. Écoute, écoute-moi, mon pote. Okay, okay. Non, non. J'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. Je crois qu'il me proposait pour un code ou. La survie à tout prix. Quoi? Le truc de la BD. Voyons, 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 voyons. Tiroir. Oui, petite balle de fusil à pompe, ça peut toujours aider. Hein? Alors là, il y a une porte qui est bonne et c'est tout. J'allais dire, il y a une porte avec un surin, mais bon. Non, 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 ça, je touche pas. Est-ce que c'est là? Ah non, ça c'est la porte bonus. Hop. Et voilà. Oui, je sais pas ce qu'il allait me proposer l'autre, mais comme là on fait juste un let's play et que j'ai pas envie d'avoir de pitié pour cette fois, j'ai préféré m'occuper de lui. J'espère que vous comprendrez. Bon alors voyons par où on pourrait passer. Ah, Ellie. Faut qu'on passe ici. Bien, Ellie. Et voilà. Jolie Ellie, bravo. J'ai vécu dans ce genre d'endroit, en zone de quarantaine de Boston. Ah ouais? L'école préparatoire militaire. Ouais, c'est un orphelinat en gros. Je me demande ce qu'ont pu devenir tous ces enfants. Cet endroit est fermé depuis un bout de temps. Ce ne sont plus des enfants. Donc soit ce sont des chasseurs qui essaient de nous tuer, soit ils sont morts. Ou ils sont partis. Mais t'y crois pas. Je crois qu'il faut quitter cette ville. Allez.
Plus on reste, plus c'est dangereux, à mon avis, cette ville. Il y a plusieurs chemins. Enfin, non, il n'y a qu'un chemin, mais... Quand il y a plusieurs zones comme ça, en général, ils cachent un truc. Des matériaux. Ah bah. Prenons la ruelle. T'es rapide, Ellie. Encore ce foutu camion. Ça va, reste à comprendre. Et attends, il y a une porte, porte, il y a une porte. Des militaires qui se baladent. C'est pas bon, ça. T'as trouvé 24 boîtes de bacon, putain. On va cacher les militaires de l'hôtel, il y a longtemps. Et dans le mois, on est sur le dessus, on a fait moitié-moitié direct. Et il est encore bon ? Quand est-ce que t'en refais ? Oh, ça part de drogue. J'ai sauvé de ce claqueur la semaine dernière. Je vais y réfléchir. T'aurais dû te laisser craindre. Putain, il m'a vu. Oui, bien sûr. Ah, d'accord, c'était fait exprès. J'étais obligé de me faire voir. Ellie, te veux pas. Bon alors là, j'ai rien vu de l'indice. Faut qu'on se barre. Ellie. Vite, on se barre. Ah, une bouteille. Oh non, vous êtes pas sérieux, vous. Et fier de l'être. Vite Ellie, il faut qu'on se barre. Ici. On devrait être à l'abri pour un petit moment là-dedans. Ici. Je crois que j'en suis à un assez gros moment, donc on va s'arrêter ici. Ouais, je sais, pas au milieu d'une poursuite, mais là... Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !